Dans un cercueil, son épouse et l'un de ses deux fils à l'avant du Corbia, Kelvin Kiptoum effectue son dernier marathon sur terre. Par ses funérailles nationales rythmées par des prières, des larmes et des discours, le Kenya rend hommage au recordement du monde du marathon décédé dans un accident de voiture. Ses obsèques ont lieu à Chepkorio, dans la vallée du Rift, dans l'ouest du pays, où Kelvin Kiptoum est né, a grandi, et est mort. Son épouse, Asena Farutish, n'en revient toujours pas. Mon cher amour, je n'arrive pas à apprendre comment te dire au revoir avec des doigts faibles et une douleur dans le cœur. C'est incroyable qu'aujourd'hui j'ai appris à rester avec nos enfants bien-aimés sans que tu reviennes à la maison. Je pleure, mon amour. J'ai épuisé mes larmes. Tu me manqueras. I'll Plusieurs centaines de personnes ont assisté à la cérémonie, parmi lesquelles des athlètes kényans, la plupart vêtus de maillots à l'effigie du marathonien, mais aussi le président de la Fédération internationale d'athlétisme Sébastien Coe et le président kenyan William Ruto. Kelvin had just joined the many heroes that we have. Kelvin vient de rejoindre les nombreux heureux que nous avons, les grands ambassadeurs de notre pays, nos sportifs, qui maintiennent le Kenya sur la carte du monde. Favori des Jeux Olympiques de Paris, Kelvin Kiptoum est mort à 24 ans dans la nuit du dimanche 11 février, après une sortie de route dans la localité de Kaptaga, dans la vallée du Rift, non loin de son lieu de résidence et d'entraînement. Quel vin, tu nous manqueras. Notre chagrin et notre tristesse mettront du temps à se dissiper. Soyez assurés que vos réalisations sont précieuses, indélébiles et sûres dans les annales de notre histoire et qu'elles ne seront jamais oubliées. Kelvin Kiptoum avait fait une entrée taux-nutriente dans le monde du marathon en battant lors de sa troisième course officielle en octobre à Chicago, le record du monde 2 à 0 minutes 35 secondes. Son entraîneur, le Rwandais Gervais Akizimana, 36 ans, également mort lors de l'accident, a été inhumé mercredi à Kigali.